Salut, salutations à vous, family, en espérant que vous vous portez bien. En tout cas, moi, ça va. Je suis masqué parce que le virus rebat, on va dire, son plein. À Moscou, pareil, maintenant à Kazan, ça commence déjà à prendre peu à peu. Chose qu'on ne désirait pas, chose qu'on n'espérait pas, mais actuellement, on n'a pas trop le choix. On se doit de nous protéger dans le milieu public. Et surtout dans le transport en commun. En fait, je m'adresse aux étudiants qui absolument veulent venir en Russie pendant cette période. Et écoutez, les frontières sont toujours fermées. Votre mal en patience. Évitez en tout cas de toujours répéter la même question. J'ai déjà eu à faire de tonnes et de tonnes de vidéos là-dessus qui pourront réellement vous aider à éclaircir, on va dire, hein, pénombre vos zones d'ombre. Voilà. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo family pour vous parler de la prostitution dans le milieu estudiantin. Ah ouais, il y a certains qui me diront, voilà Evie, écoute, tu commences à pousser les bouchons un peu plus loin. Mais il y a une femme qui crie là. Je vais me déplacer puis je reviens. Moments later. Je me suis un tout petit peu éloigné de la femme qui criait à côté de moi là. Je me disais, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Bon bah, c'est son problème en fait. On poursuit tranquillement, je vais ôter mon masque. Voilà, je parlerai dans cette vidéo de la prostitution dans le milieu estudiantin. Family, au jour d'aujourd'hui, on peut dire d'emblée, qu'il y a une certaine facilité pour les hommes encore de se retrouver ici en Russie quand ils viennent, étudiants bien sûr, mais c'est très difficile pour les femmes, pour les filles, pour nos sœurs de s'en sortir ici au fait, ici en Russie. Pourquoi? Parce que beaucoup plus de travail, on va dire, que les hommes font ici là, ça trait, on va dire, au chantier, surtout pendant l'été. C'est que les femmes font, on va dire, ça pourrait être la musique, ça pourrait être, on va dire, la tresse, encore faut-il, hein. Ceux qui maîtrisent, on va dire, différentes langues étrangères, celles-là, elles dispensent au cours à qui veut bien, on va dire, l'apprendre, bien sûr. Mais ce sont des cas isolés. Au jour d'aujourd'hui, la prostitution s'est installée dans le milieu étudiantin. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre option, en fait. Moi, je le comprends, mais ce n'est pas une bonne chose, en fait. Mais quelque part, elles n'ont pas non plus le choix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un site qu'on appelle OnlyFans. OnlyFans. Il y a tellement beaucoup des étudiantes africaines, en bref étrangères, qui s'enregistrent sur ces sites pour en tirer, on va dire, un tout petit peu profit, un tout petit peu travailler dessus, gagner un peu de bleu, gagner un peu d'argent dessus. Comment ça se passe au fait? Il y a beaucoup plus, hein, il y a beaucoup plus d'hommes ici là qui nécessairement veulent tenter l'expérience avec une africaine, soit veulent voir un tout petit peu la nudité d'une africaine, à quoi ça ressemble. Alors ces sites là permettent tout simplement à nos sœurs de se dénuder, à envoyer, on va dire, l'air nude, comme on a l'habitude de le dire, hein, d'une manière un peu vulgaire, c'est-à-dire l'air nudité, à envoyer simplement à ces prostituées en ligne, on va dire, montrer quelques parties attirantes, quelques parties qui peuvent nécessairement séduire les hommes qui sont face cam pour profiter du spectacle. Et en retour, elles gagnent quelque chose par rapport à ça, et c'est grâce à ça qu'elles arrivent également à vivre. Je ne dis pas toutes, hein, sont dans ça. Il y a certaines filles qui sont ici, on va dire, de familles très très modestes. En venant en Russie, elles ont pensé faire le bon choix et arriver ici, si elles sont confrontées, on va dire, par différents et très difficiles choix à opérer en fait. Et seule l'option est simplement de se lancer dans ce genre de site, bien sûr. Il y en a d'autres également qui, pour moi, ce n'est pas mal non plus, mais elles font un tout petit peu pitié, hein, s'il faudra que je les dise. Elles font un tout petit peu pitié. Pourquoi? Parce que elles passent de mec en mec, on va dire. Pourquoi? Parce que pour essayer un tout petit peu d'en tirer un profit, c'est-à-dire profiter de l'argent du mec, cette aide-là ira jusqu'à subvenir, on va dire, à tous ses besoins. C'est un tout petit peu regrettable, mais je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne focalise pas, soit je ne vise pas une personne en particulier, je ne vise pas un groupe, soit une catégorie de personnes, mais ce sont des faits, au fait. Moi, je suis
un observateur tout simplement de la société et surtout de ce qui se passe ici, je vous apporte de la lumière sur bon nombre de points en fait. Il y a tellement également des filles issues des familles, alors très aisées, elles vivent tranquillement, alors très très bien. Elles manquent pratiquement de rien et tout le mois, elles reçoivent, on va dire, un certain budget pour subvenir à leurs besoins, à leurs petits besoins et tout. Et puis voilà. Mais bon, en sachant que les femmes, ce sont des êtres faibles, s'il vous plaît, vous, parents, vous, grands frères, vous, frères, qui aimeriez assez que votre fille, votre sœur, votre petite sœur, votre cousine, on va dire, vienne étudier ici en Russie, s'il vous plaît, faites tout de votre possible pour essayer de subvenir à ses besoins mensuels. Pourquoi ? Parce que c'est très 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 important. C'est beaucoup plus difficile pour une fille, on va dire, de gérer, on va dire, la galère. Les hommes encore peuvent le faire. Nous savons comment gérer, nous savons comment jauger en fait. Alors que c'est très 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 difficile pour le fille. La frontière est mince pour basculer du côté obscur, on va dire. C'est surtout qu'elles sont attirées par tout ce qui brille. C'est-à-dire quand il y a une influenceuse, on va dire, qui essaye de montrer l'autre revers, on va dire, de la médaille, la bonne vie qu'il y a ici, le fait de sortir, le fait de s'ambiancer, le fait d'acheter, on va dire, tout ce qu'elle veut, l'influenceuse, on va dire, influence celles qui n'en ont pas. Alors, celles qui n'en ont pas feront de leur mieux, on va dire, pour essayer un tout petit peu d'avoir quelque chose, en fait. Aussi simple que ça. Peu importe soit l'option, que ce soit la prostitution pure et simple, comme on le sait depuis la nuit des temps, soit c'est prostituer en ligne, c'est-à-dire envoyer sa nudité aux hommes qui s'y intéressent et en soutirer quelques billets, bien sûr. C'est un tout petit peu regrettable, mais c'est comme ça. Je ne pars pas dans... Je ne dirais pas que ça concerne uniquement de filles. Il y a également des garçons, on va dire, hein, qui se font commander, on va dire, qui se font zakaser, comme on a l'habitude de les dire ici, là. Pourquoi ? Parce qu'il y a également un système, un tout petit peu, que moi, je déplore. Quand un étudiant n'arrive plus, on va dire, à s'en sortir, il est prêt à tout faire. Alors, quand il y a un couple qui aimerait faire un plan à 3, à 4, soit une orgie partout, alors ces gars est facilement influencé également à les faire pour pouvoir s'en sortir, au fait. Ou soit se faire entretenir par une vieille femme pour pouvoir s'en sortir, on va dire. Ceci dit, je ne vous décourage pas, mais je vais simplement attirer votre attention. Soyez prudent, soyez prudente. En venant ici en Russie, rassurez-vous que vous serez en même, de s'en sortir, de subvenir à vos besoins. Soyez-en sûr qu'il y aura une personne à chaque instant, quand il y aura un problème, la personne aura la facilité de débourser l'argent, et si seulement si vous venez en tant que contractuel, c'est-à-dire vous paierez vos études seul carrément. Ne venez pas avec l'idée, oui, en Russie, je vais m'en sortir, je vais travailler et tout, ça existe bien sûr, mais c'est le minimum carrément qui travaille ici, qui s'en sortent, on va dire. Et ceux-là qui ont également la tête, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup également qui ont de papiers, mais qui ne travaillent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas comment faire bouger leur tête pour pouvoir avoir de l'argent et cet argent-là, en contrepartie, subvenir à leurs besoins et mieux vivre ici, au fait. Voilà la famille, c'est le sujet, on va dire, que j'ai bien voulu traiter avec vous. Je me répète encore une fois, je n'ai pas une dent contre une personne, c'est simplement le fait qui se passe ici. Je me suis décidé, en tant qu'observateur de la société, d'essayer un tout petit peu, on va dire, d'en parler et de vous faire partager, de vous faire montrer, on va dire, le risque qu'il y a ici. En faisant ces genres de pratiques, on peut également tomber sur du raciste et puis voilà, connaître la mort, on va dire, goûter, on va dire, à la faucheuse. Voyez-vous, il faut toujours être prudent, bien sûr. Et il y a également des maladies ici. Alors, il faut toujours être très, très prudent. Très, très prudent. Donc, voilà. C'était votre frère Evi Mawete. Je vous revois dans une nouvelle vidéo. Hey, family, abonnez-vous, partagez la vidéo. On se retrouve très, très prochainement, soit dans une nouvelle série de lives. Ciao!